sa mère. Sans oublier, c'est victime que le gouvernement a superbement perdu. La salle d'Avalon. Et pourquoi fait ce coup de charité? Quel est l'intérêt pour le cartel de donner de son argent et de son temps pour aider les plus démunis? Absolument. Le Seigneur a dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces Santa Blanca est quoi? Et dans sa bienveillance, elle sait que nous pouvons façonner le monde comme nous voulons. La solution, c'est donner. Et la Santa Blanca donne à la vie. C'est bon. Allons dire aux rebelles de venir récupérer leur nouveau matos. Et je vais vous dire, je me plais bien en Bolivie. Le temps est super. Bowman, ici Nomad. Tu nous racontes quoi sur Media Luna? Tout le secteur est contrôlé par l'Unidad. En l'occurrence par un gros bras en uniforme qui se fait appeler El Comandante. Il renforce la sécurité de la Santa Blanca contre les rebelles, notamment. Il va falloir faire capoter cette belle idylle entre l'Unidad et le cartel. Mais vu qu'El Comandante porte toujours un masque, on ignore son identité. On se charge d'éclaircir ce mystère. Et si en passant on peut rendre la vie dure à la Santa Blanca, on va pas se priver. Nos intels sur ce type sont très lacunaires. Le cartel et les Boliviens l'appellent El Comandante. Son âge, son lieu de naissance, son vrai nom, inconnu. Officier de l'Unidad, la police militaire bolivienne, El Comandante s'est taillé une réputation en traquant les rebelles. Rebelles qui commençaient à s'imposer à Media Luna quand El Comandante et l'Unidad ont débarqué en force. Ça a été le massacre. Notre homme aurait même emporté quelques scalps en souvenir. En théorie, il est lieutenant-colonel. En pratique, c'est une espèce de monstre sacré de l'Unidad, ce qui lui permet de mobiliser l'armée pour le compte du cartel. Mais vu la façon dont il s'immisce dans les affaires du cartel, Sueño a peut-être du souci à se faire. Si ça tenait qu'à lui, Sueño se ferait pas chier avec l'Unidad. Mais les rebelles lui posent problème, et on peut pas affronter ce qu'on connaît pas. El Comandante, par contre, il est en terrain conquis. Sans lui, tout Media Luna serait entre les mains des rebelles. En bons meilleurs ennemis, Sueño garde El Comandante à l'œil. Il fait gaffe à ne jamais baisser sa garde.